C'est toi, Dominique? Oui, c'est moi. C'est vous, belle-maman, bonjour. Tu dois te trouver matinale, hein? Oui, plutôt, oui. Ben, c'est que c'est pas une journée ordinaire, hein? C'est pas une journée comme les autres, tu sais ça, hein? Oui, en fait, pas pour tout le monde, c'est vrai ça. Dominique, je te souhaite bonne fête. Oh, merci, belle-maman. Vous y avez pensé? Oh, ben, j'ai même préparé mon réveil hier soir exprès pour ça. Joyeux anniversaire. Es-tu contente? T'es heureuse toujours? Oh, oui. Quoique... Ah, voyons, il y a quelque chose qui va pas à ton goût? Oh, c'est... Non, non, la maison roule, tout marche à mon goût, non, c'est le chiffre, hein, ça grimpe. Oh, ben voyons donc, tu parais si jeune, tais-toi donc. Mais ça te fait quel âge, Jean-là? Ben, écoutez, c'est dur à dire. Change de chiffre, là. Non. Mm-hmm. Dis-moi pas. Ben oui. Pas déjà. Ben oui. 40, Dominique? Ben oui, 40 ans, imaginez-vous donc. Un gros cap bien laid là, qui vient s'installer pour une dizaine d'années. Oh, voyons, voyons, fais-moi pas rire, hein? C'est pas ce chiffre-là qui fait peur. Oh. Mais l'autre, le vilain 5, là tu verras. Oh, ça donne tout un choc, tout un coup. Ça fait mal, tu verras. Oui. En tout cas... C'est bien fine d'avoir téléphoné. C'est bien vous, sa belle maman. Oh, mais je voulais être la première à y penser. Et puis aussi, à te souhaiter une année en or. La plus belle de ta vie, Dominique. Et que vous êtes fine. Que Raoul est donc chanceux de vous avoir. Oui, bon, ben, je te laisse à tes petits soins de beauté. Oui, parce que je vais en avoir besoin, là. Non, non, je te laisse aussi à tes enfants, puis au déjeuner. Oui. Tourne-le, Dominique. Au revoir. Merci, là. De rien. Bye. Bye. Les enfants, c'est prêt, là. Ça fait trois fois que je vous appelle. C'est prêt. Pêche un peu. Oh, maudit que la levée du corps est dure certains matins. Un moment. Mon Dieu. Quand toi, si jeune encore. Hein? Oh. Allô? Allô? Oh mon Dieu, on dirait qu'il est 5 heures du matin. Ah, moi tout. M'endors, c'est effrayant. Je m'en vais me traîner au cours. Oh. Mon Dieu. Geneviève, me semble que si j'avais ton âge, je sautillerais le matin, moi. C'est pas une question d'âge, ma. Es-tu bonne, elle? C'est le temps, le climat. Je sais pas, j'ai besoin de sommeil, je suppose. Si vous vous couchiez le soir aussi. Oh. Encore une autre journée à passer. Puis elle va être plate, puis tough à finir. Mon Dieu, franchement, là. J'ai l'impression que vous allez vous coucher tout de suite après souper ce soir. Ben tiens, pas une mauvaise idée, ça. Hein, Geneviève? Ça va nous retaper un peu. Je pense que je vais aller faire une sieste sur les matelas au gymnase ce matin. Je voudrais vous demander juste une chose, les enfants. Quoi? Quand vous allez rentrer pour vous coucher de bonne heure ce soir, là, j'aimerais que vous sachiez quel jour et quelle date on est aujourd'hui. Ah, ben, maudit! Oh, excuse-nous, maman. Ah oui, ah oui. Quoi? Voyons, Geneviève, c'est la fête de maman. Oui. Bonne fête, maman. Oh! Merci. Oh, bonne fête, maman. Merci. Excuse, hein? Oh, je te le dis, je suis pas réveillée ce matin. Mais je m'en serais rappelée au cours de la journée. Pas grave. Pas grave. Maman, oui? Tu sais, on est étudiants, hein? Ça fait qu'on est cassés comme des clous. Attends-toi pas à rien, c'est pas de notre faute. Quand je travaillerai un jour, maman, je te ferai des gros cadeaux pour faire du rattrapage. Okay. Ah, mais j'y pense, là. T'es dans la catégorie des... Des 40, des 40. Puis alors, oui, oui, c'est ça, des 40, des 40. Bon, c'est pas grave, ça. On a l'âge de ses artères, pas vrai? Puis de son cœur aussi. De son cœur. Nick! Oh, Julie! J'ai levé, toi? À
Allez, Dominique. Justement, je me préparais à aller te voir, là, justement. Ah oui? Oui. Et toi qui travailles si tard au casino, comment c'est sûr que t'es levé de bonne heure comme ça? Oh, parle-moi-en pas. Imagine-toi donc qu'il faut que j'aille acheter des nouveaux uniformes pour les filles au club. Ah. Et justement, il me manquait 20$. Tu pourrais-tu me les prêter jusqu'à vendredi à paye? Je te les remettrai. Tu comprends, à cette heure-là, les banques sont fermées, ah, hein? Ah oui, je vais prêter ça, Julie. Très fine. Hey. Mais oublie pas, hein, tu me le remets vendredi, j'en ai besoin. Oui, sûr. Bon, je vais me dépêcher, hein, c'est loin dans l'est. OK. Bonne journée, hein? C'est ça. Bonne journée à toi aussi, Dominique. Oh, ben, j'y vais, hein? J'suis déjà en retard. OK. Pressé pour...